Nous sommes au numéro 22 de la rue Mwanga à Kombo, où le groupe de répression de banditisme GRB en sigle s'emploie à restituer les faits du crime commis par Ostan Koud sur Jusu Raoul Ampa Ifonoa, un enfant de sexe masculin âgé de 3 ans. La scène tragique date du 25 août dernier. Le présumé malfrat Ostan Koud, un jeune, la quarantaine révolue de nationalité congolaise. Le chef de cette unité de police à l'issue de cette descente. L'enfant qui était en train de jouer à proximité, dont un certain Ampa, plus une fillette de 2 ans, mais la fillette de voisin. Lui, il a pris la fillette de voisin, il l'a ramenée dans la parcelle, donc il est resté avec Ampa, l'enfant de 3 ans. Le temps qu'il évoluait, cette fois-ci, il aura besoin d'un petit marteau. Il avait besoin de son petit marteau, et le petit marteau se retrouvait avec l'enfant. Pris de colère, il a pris l'enfant au collet, à la fin il a pris au cou, et à la fin il s'est retrouvé dans ses mains un corps, il s'est retrouvé dans ses mains un corps sans vie. Il y a un petit tonneau que les parents de l'enfant utilisaient dans le passé, qu'ils ont mis de l'autre côté de la maison. Lui, il est parti récupérer ce tonneau et il enfouit cet enfant dans ce tonneau, il l'a renfermé. Vers 13 heures, constate que la maman de l'enfant était en train de chercher l'enfant. Lui aussi, pris de compassion, il s'est mis à chercher, à faire semblant donc de chercher avec la maman. Donc cette fois-ci, c'est lui qui va le retrouver et appelle la maman pour dire: mais viens, j'ai retrouvé l'enfant dans le tonneau. Il a réouvert lui-même, la maman a vu, et les deux, ils ont récupéré l'enfant, ils ont amené à l'hôpital. Le monsieur, donc, il a été interpellé par la gendarmerie. À la gendarmerie, sur l'instruction du procureur, le procureur les a dessaisis et nous a instruits. Les résultats du rapport du médecin ont certifié une thèse d'assassinat. Le rapport du médecin légiste a conclu au trépas qu'il y a eu l'étranglement et puis une asphyxie. Le rapport de l'enquête de la police menée par le groupe de répression du banditisme va être transmis au procureur de la République pour une poursuite judiciaire à l'encontre du présumé malfrat, a laissé entendre le commandant d'unité de la GRB, Romuald Morgan Manounou.